Slimane est actuellement l'un des coachs de l'émission The Voice Kids, diffusée sur TF1. Quand il ne travaille pas en France, le chanteur vit la Dolce Vita, au Maroc, avec sa petite fille Esmeralda. Quand il ne travaille pas en France et qu'il n'enchaîne pas, par exemple, les tournages de l'émission The Voice Kids dans laquelle il tient le rôle de coach, Slimane mène une vie paisible un peu plus au sud de la carte. Il y a quelque temps, le chanteur de 33 ans a effectivement fait construire une luxueuse villa avec piscine au Maroc, à Marrakech, et il s'y rend dès que possible pour se la couler douce en compagnie de sa fille, son adorable petite Esmeralda. S'il montre rarement les lieux, une voisine s'était chargée de le faire pour lui à l'époque. À la vie comme à la scène, Slimane et Vita sont tout simplement inséparables. Ils ont arrêté d'enregistrer des albums ensemble, et la chanteuse lancera même son 5e opus solo intitulé Charlotte en octobre prochain. Mais ils sont tout de même voisins, au Maroc. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la grande amie de Diams faisait ainsi le tour du propriétaire, montrant la cuisine comme la grande piscine de la villa de Slimane. On n'est pas bien là? Elle est belle ta maison, déclarait-elle. Il est en place. On est voisins, vous ne le savez pas mais j'habite là. Donc voilà, si est-il pour la vie. S'il avait décidé de s'installer au Maroc, si est-il parce que Slimane avait été traumatisé, comme beaucoup, par un confinement passé à Paris, dans un espace très restreint. Si est-il ainsi qu'un octobre 2020, quand la pandémie de Covid-19 s'abattait à nouveau sur le globe, le chanteur s'était envolé pour poser ses valises dans sa nouvelle demeure. Un peu de bonheur dans ce monde de fous, écrivait-il alors sur les réseaux sociaux. De retour en France, Slimane prend son rôle de coach très à cœur, tout comme il prend son rôle de papa très à cœur dans la vie quotidienne. Je ne sais pas si est-il parce que ma petite fille a déjà un caractère bien trempé, mais j'ai l'impression que les enfants peuvent entendre bien plus que ce que l'on croit, assurait-il dans les colonnes de télé 7 jours. Je pense que je suis encore plus pointu dans mes remarques avec eux. Je me permets d'attendre encore plus d'eux parce que je sais qu'ils ne sont pas si naïfs, au final. À qui la victoire? L'avenir nous le dira.